pas les fermer, pas super derrière. Cet homme vous a ruiné, monsieur Kuhn. Il vous a pris jusqu'à votre dernière chemise. Ce n'est pas moi qui ai tué Rigelski. Ça pourrait se comprendre. Ce requin de la finance vous signe un contrat vous apportant plus de 3 millions de crédits. Il prend 200 000 marques au passage pour les frais de dossier, puis il vous dit poisson d'avril. À votre place, j'aurais aussi perdu la tête. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien installé ici? Bonjour. Ouais, vous avez de la chance, vous. Vous pouvez aller déjeuner avec votre client. Vous devriez essayer ça. Les langues se délient après quelques verres de Bordeaux. Je vais le suggérer à la direction. Pour quelle raison avez-vous arrêté mon client? Je n'ai pas arrêté M. Kuhn, Maître Franck. Je l'ai fait venir pour lui poser quelques questions. Il veut me coller un meurtre sur le dos. Calmez-vous. De quoi s'agit-il? Dans la soirée d'hier, vers 23h, un homme connu dans la finance, Herbert Rigelski, a été assassiné par quelqu'un venu le cambrioler. Tué de 2 balles d'une arme lui appartenant. Des documents commerciaux ont été dérobés dans son coffre-fort, ainsi que de l'argent dont le montant n'a pas encore été estimé. Il est probable que Rigelski a surpris son cambrioleur. Oh, et sous prétexte que mon client a été escroqué par ce Rigelski, vous imaginez que c'est lui qui l'a cambriolé? Vous avez remarqué dans les papiers personnels trouvés chez M. Rigelski plusieurs lettres de votre client dans lesquelles il proférait des menaces à son encontre. Et ces menaces, c'est la seule chose dont vous disposez pour accuser mon client? Où étiez-vous hier soir entre 22h30 et 23h30? Rien ne vous oblige à répondre à cette question, M. Kuhn. J'étais à la maison. Je regardais la télé. Ah, ça vous satisfait, M. Strutz? Venez, M. Kuhn, le commissaire a sûrement beaucoup à faire. Au revoir. Au revoir. Monsieur Kuhn, si vous êtes mêlé en quoi que ce soit, absolument cette affaire, pas. Où en êtes-vous en ce moment, je veux dire, financièrement? Oh, tout baigne, tout baigne, je suis ruiné. Ce dont j'avais rêvé toute ma vie s'est écroulé, tout est fini, terminé. Et vous n'avez trouvé personne d'autre pour vous aider à réaliser ce Demandez projet? Demandez donc à ma banque ces 200 000 marques que Rigelski m'a escroqué. C'est le seul argent dont je pouvais encore disposer. Mais vous avez toujours la concession de ce bateau casino amarré sur le main. Ça doit bien valoir quelque chose. On ne peut plus rien en faire. Et pourquoi? Parce que le bateau en question n'est plus qu'un tas de ferraille rongé de plus en plus par la rouille et que je n'ai plus l'argent qui me permettrait de faire ne serait-ce qu'un minimum de travaux. Non, cette concession, je peux mettre une croix dessus. C'est mon successeur qui va être content. Je peux vous déposer quelque part? Non, merci. Alors vous allez en faire quoi de ce bateau? Du Betty Blue. Je vous en fais cadeau, tiens. Il vous suffira d'investir dedans, vous nous ira petit million. Je crois que je préfère m'acheter un pédalo. Si la police vous convoquait à nouveau, prévenez-moi immédiatement. Bonne chance. Merci.
Monsieur Kuhn, cette fois-ci, je vous arrête. Vous m'avez menti, monsieur Kuhn. Et je n'aime pas qu'on me mente. Je n'avais pas d'autre solution. Vous ne pouviez pas agir d'une façon plus stupide que celle-ci. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû vous dire, oui, je suis allé dans son bureau, c'est exact. Mais je n'ai rien à voir avec sa mort, je ne l'ai pas tué. C'était plutôt difficile à croire, je vous l'accorde. J'ai été pris de panique, maître Franck, et ça peut se comprendre. Je suis déjà criblé de dettes et maintenant on m'accuse d'avoir tué quelqu'un. Il faut que vous m'aidiez, maître Franck. D'accord. Mais à la condition que vous jouiez carte sur table. Avez-vous tué Regelski, oui ou non? Non. Je voulais simplement essayer de récupérer des documents prouvant que je ne suis pas le seul idiot à être victime de ces escroqueries et de ces magouilles. D'ailleurs, vous-même me l'avez dit. C'est bon de prouver que Regelski a systématiquement cherché à escroquer les organismes de crédit. Oui. Je ne vous ai pas pour autant encouragé à les cambrioler. Monsieur Kuhn, vous avez dérobé dans le coffre-fort de Regelski, en plus de quelques papiers insignifiants, 150 000 marques en billets de banque. Dites-vous bien qu'avec de telles preuves contre vous, il va être très difficile de vous défendre. On m'a tendu un piège, maître Franck. Quelqu'un a voulu me piéger. Nous pouvons bien sûr plaider l'homicide involontaire. Si vous avouez que vous l'avez tué et que vous exprimez du regret, vous serez sorti dans 4 ans. Il y a 2 jours, quelqu'un a téléphoné chez moi, mais la voix était déformée. Électroniquement, sans doute. Allons. Ne me racontez pas une nouvelle histoire. Cet interlocuteur m'a indiqué que dans la sculpture à côté de la porte d'entrée, il y avait un trousseau de clés, dont celle du bureau et celle du coffre-fort de M. Regelski. Et que dans le coffre-fort, il y avait des documents qui prouvaient que... Oui, mais entre nous, c'est tout à fait invraisemblable. Mais c'est bien la preuve qu'on a voulu me piéger. Trop invraisemblable, à mon avis. Vous voyez qui aurait pu faire ça? Non. Alors, faites un effort, essayez de réfléchir. Qui pouvait être au courant du différend qui vous opposait à M. Regelski? Je n'en sais rien. Peut-être le garde du corps de Regelski, Oshek. On s'est rencontrés par hasard dans un bar peu de temps après mon altercation avec Regelski. On a bu quelques verres ensemble, peut-être. Et personne d'autre? En tout cas, je vous préviens, M. Kuhn, si vous me racontez des histoires cette fois-ci encore, c'est terminé. Mains sur le capot, Oshek, et fais pas de mariole. Mais je connais cette voix, on dirait bien que c'est Matula. Tu sais que t'as toujours été moins rapide que moi. Et surtout bien moins corrompu que toi, espèce de vieille canaille. Toujours détective privé, tu te prends pour Philippe Marlowe. En quelque sorte, on va se boire une bière. Avec plaisir. Attends, je ferme la voiture. Voilà, allons-y. Toute cette histoire de corruption qu'on m'a collée sur le dos, c'était de la malveillance. On raconte ça à d'autres. Quand on est flic et qu'on fréquente la call girl la plus chère de la ville... J'ai aimé cette femme, tu l'as profondément et passionnément. C'est ça. Et c'est par l'opération du Saint-Esprit que son Mac était régulièrement prévenu des descentes de police. Aujourd'hui, je peux te le dire, je crois bien que cette petite s'est fichue de moi. Tiens donc. Et voilà que ton patron vient de se faire descendre. Je vais te dire une chose, c'est moi qui t'invite, maintenant que t'es au chômage. Non, je ne suis pas au chômage. La veuve m'a demandé de rester, histoire de la protéger. Ah. Depuis que son mari a été assassiné, elle est un peu angoissée. Bien sûr, elle a besoin qu'on lui tienne la main et qu'on l'aborde dans son lit. Pas à ce point-là. Est-ce que je vous mets la même chose, monsieur? Oui, deux. Tu as trop bu ou quoi, Oli? Arrête de jouer avec ça et rentre dans chez toi. Tu connais sûrement le type qui m'a engagé, monsieur Kuhn. Je l'ai croisé dans le bureau de Regelski. Un jour, il m'a alpagué devant la porte d'entrée de ton ville. Non, merci. Qu'est-ce qu'il te voulait? Et voilà. Merci. Me poser des questions sur Regelski et ses différentes affaires. Vous vous êtes rencontrés souvent? 2 ou 3 fois. Il est venu me raconter un peu ses malheurs. Oh, je ne savais pas quelqu'un de si charitable. Écoute, Matula, Regelski l'a mis sur la paille. Je ne suis pas un ange, mais ce qu'il a fait à Kuhn, je trouve ça dégueulasse. Oh, à ce point-là, santé. Et comme t'as eu pitié de lui, tu l'as appelé pour lui dire où se trouvait le trousseau de clés de... Non mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Et la veuve, elle sait que Kuhn est inculpé? Aucune idée. Et tu crois que c'est elle qui l'aurait appelé pour lui dire à quel endroit se trouvaient ses clés?
Non, pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Merci. Il y a quelqu'un qui a signalé par téléphone à un client que les clés du coffre-fort de votre mari se trouvaient dans une sculpture près de la porte d'entrée. Non, mon mari gardait toujours ses clés sur lui. Il a sans doute inventé cette histoire, non? Lorsque vous l'avez croisé, quelle impression vous a fait Heiner Kühne? Je ne l'ai vu qu'une ou deux fois, au cours de scènes tout à fait déplaisantes que ce monsieur Kühne avait faites à mon mari. Je l'ai même entendu l'insulter. Il ne manquait pas de raison de le faire. Serait-il tout à fait invraisemblable, selon vous, qu'il ait voulu se venger de mon mari au point de le tuer? Où étiez-vous exactement le soir du crime? Aurais-je besoin d'un alibi? Oui. Je me trouvais à une soirée. Il ne vous sera pas difficile de le vérifier, la police l'a déjà fait d'ailleurs. Vous étiez toute seule à cette soirée? Non, avec monsieur Hochek, c'est le garde du corps de mon mari. Ah. Non, mais je sais ce que vous vous dites. Pour quelle raison cette femme est-elle allée à une soirée avec le garde du corps de son mari? Alors, pour quelle raison? Mon mari détestait les soirées. Ses affaires l'intéressaient par-dessus tout. Alors j'en ai eu assez de me retrouver dans ces soirées mondaines, à boire mon champagne, seul dans mon coin. Ce pauvre Hochek m'a même accompagné un jour à l'opéra. Vous avez une liaison avec monsieur Hochek? Non, nos relations s'arrêtent à ce que je vous ai dit. Vous avez d'autres questions? Votre couple, enfin, étiez-vous heureux? Oh, oui, nous l'étions, chacun de son côté. Ça veut dire que votre mari avait une maîtresse? Je ne vois pas comment il aurait trouvé le temps. Non, il avait sa vie, moi j'avais la mienne, et cette situation nous satisfaisait tous les deux. C'était une sorte de modus vivendi. À part mon client, saviez-vous si votre mari avait d'autres ennemis? Sans aucun doute. Sur un plan professionnel, il était génial. Sur un plan humain, il était déplaisant, à la limite du supportable. Il y a des noms de gens qu'il détestait? Vous pourriez aller vous renseigner auprès de l'ancien associé de mon mari, Günther Bremer. Celui qui est dans l'immobilier, ce Bremer-là. Mm-hmm. Ils se sont fâchés, ils se sont séparés il y a 5 ans. Je vous laisse deviner de quelle façon mon mari a su régler cette séparation. Il n'a pas hésité à escroquer Bremer, c'est ça? Bremer s'est retrouvé ruiné. À la suite de quoi, il a juré qu'un jour, il se vengerait. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est celui-là. C'est Stade Ferraille qui devait être une future mine d'or. Oui, c'est une idée originale. C'est bien placé, avec un faux air de Mississippi. À ton avis, pour quelle raison est-ce que la municipalité a décidé, après tellement de temps, de renouveler la concession? Parce qu'elle a envie de gagner du fric grâce au jeu. Oui. Malheureusement pour lui, Kühne n'avait pas un assez gros capital et il est tombé sur le financier le plus véreux de tout Francfort. Pourquoi t'as pas essayé de coincer Regelski? Parce que Kühne ne m'a pas consulté avant de signer le contrat et qu'il a accepté les conditions sans broncher. Mais on ne peut tout de même pas accorder un crédit de 3 millions, encaisser 200 000 marques pour les frais de dossier et exiger ensuite des garanties supplémentaires. Mais si. Tout se trouvait sur le contrat. En quelque sorte, c'est de l'escroquerie officialisée. C'est un peu ça, oui, tant qu'on ne peut pas prouver les escroqueries systématiques de type comme Regelski. Mmh. Et mon vieil ami Hochek a protégé ce sale type. Ha! Dis-moi, tu crois qu'il est possible que Hochek et Madame Regelski... Hochek, à l'époque où il était dans la police, avait déjà 2 points faibles. Les femmes et le fric. Alors, il pouvait pas mieux tomber. Dans l'appartement de Regelski, il y a une femme, il y a plein d'argent. Hochek prétend que ton client lui a parlé de sa mésaventure devant chez Regelski. Ah, c'est intéressant, ça. Qu'un homme a dit qu'il s'était rencontré par hasard un jour dans un bar. J'ai l'impression que ton client ment dès qu'il ouvre la bouche. Pourquoi mais tu viens? C'est plus beau les magasins. Peut-être. Mais si, toujours. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? La matière est belle, non? Oui, très belle. Et sur une femme comme toi, tout est encore plus beau.
voilà. Merci. Je vous remercie. Ça ira, merci. Oui, mon cher maître, je souhaite de tout mon cœur, c'est évident, que votre client puisse s'en sortir. Ah bon? Toute personne ayant nui à Agelski est à mes yeux un bienfaiteur de l'humanité. Eh bien, je trouve personnellement que l'assassinat est un acte répréhensible. Disons que c'est un moindre mal quand la victime s'appelle Agelski. Oh, 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 oh! Il semble que vous ayez voué à votre ex-associé une haine éternelle. Pas du tout, il me tapait simplement sur les nerfs. Vous savez, Regalski et moi, nous sommes... Ou plutôt, nous étions un peu dans la même branche. L'immobilier, la finance, les investissements divers. Si les informations qu'on m'a données sont bonnes, Regalski vous a pratiquement ruiné il y a 5 ans. Je n'ai pas tardé à refaire surface. Parce que d'après ce que je sais, certaines personnes du milieu vous ont aidé sur un plan financier. Mon cher maître, combien de temps devrais-je encore entendre ces histoires? Mon frère est un ancien proxénète, c'est exact. Oui, mais rien de plus. Et alors? Mes affaires sont tout ce qu'il y a d'honnête. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un projet sur lequel vous vous seriez trouvé en concurrence directe avec Regalski? Mon cher maître, j'espère que vous ne chercherez pas à m'attribuer un motif pour l'avoir tué. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je ne cherche qu'à savoir comment ça se passait entre vous deux. Oui, je l'avoue, nous avons eu quelques différends. Mais Regalski ne m'intéressait en aucune façon, ce n'était qu'une sale petite punaise. Et mon client, est-ce que vous le connaissiez? Il s'appelle comment déjà? Kühne, Heiner Kühne. Ah oui, le nom me dit quelque chose. Oh, eh bien, vous voudrez bien m'excuser, mon cher maître. J'ai affaire. Je vous remercie, monsieur Bremer. Tiens, vous allez partir d'ici? Et le plus tôt sera le mieux. Si j'ai bien compris, vous êtes l'avocat de monsieur Kühne. En effet. Vos entretiens de demande d'emploi, faites-moi le plaisir d'aller les faire ailleurs. Et venez tout de suite, j'ai une lettre à vous dicter. Au revoir, mon cher maître Fouque. Au revoir. Au revoir. Vous ne voulez pas m'inviter à déjeuner? Dans une heure, c'est ma pause. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci. Et bon appétit. Merci. Eh bien, bon appétit. Et à vous aussi. Il a voulu m'obliger à avorter. Mais il n'en a pas le droit. Un type comme Bremer, il arrive toujours à vous persuader qu'il a le droit de tout faire. Et comme il n'y arrivait pas, il m'a renvoyé. Ne s'en tirera pas comme ça. Je vous conseille de prendre un avocat. Ça ne servira à rien. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette ordure de toute façon. Mais pour l'enfant, il va falloir qu'il paie. Vous connaissez peut-être quelqu'un? Je peux vous recommander un de mes confrères, bien sûr. Nous en reparlerons plus tard. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'étais l'avocat de Heiner Kühne. Vous le connaissez bien? Oui, de vue. Quand il est passé au bureau. Attendez, attendez. Monsieur Kühne est venu voir Bremer? Il y a 4 jours, il me semble. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais la discussion était plutôt vive. Est-ce que Bremer est encore à son bureau à cette heure-ci? Non, il est déjà parti. L'après-midi, il va toujours faire un tour à son club de foot. Monsieur est le président du FC Francfort. Première division? Plutôt dernière division. Une équipe de minables. Thank you.
Excuse-moi, je voulais pas te déranger. Tu nous suis les vieux copains maintenant? Que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? C'est ça ce que tu es devenu, Matula, une espèce de sale petit voyeur? Chek, tu sais très bien que je ne fais que mon boulot. Parce qu'en plus, tu le connais? Si tu veux des renseignements sur ma vie sexuelle, tu n'as qu'à me les demander. Mais je t'assure. Maintenant, va fouiner ailleurs. Allez, dégage, fiche-moi le camp. Je m'en vais, je m'en vais. Enchanté, chère madame. La prochaine fois, je préviens la police. Qui est cet individu? Mais dis-moi! Mais qu'est-ce que tu venais faire ici? Je vais t'expliquer. J'espère bien que tu vas m'expliquer. D'autres que tu connais. Mais c'est pas vrai, il est vraiment nul. Voilà le cher maître Franck. Bonjour, monsieur Brenner. Vous êtes un passionné de football? Eh oui, d'une certaine façon. Vous pouvez me consacrer quelques minutes? Dites à Radke qu'il ne sera pas dans l'équipe dimanche. Vu sa forme, je ne le laisserai même pas tondre la pelouse. Compris, patron. Monsieur Bremer, vous ne m'avez pas dit la vérité tout à l'heure. Monsieur Kuno est venu à votre bureau. C'est cette petite traînée qui est allée vous raconter ça. Peu importe la personne qui me l'a raconté. Mais oui, elle cherche à me nuire par tous les moyens. Et elle cherche tellement à vous nuire qu'elle va avoir un enfant de vous, n'est-ce pas? Eh oui, la nature nous réserve parfois du cruel déception. Pourrais-je savoir ce que Monsieur Kuno vous voulait? Si vous cherchez à tout prix à me créer des ennuis, je peux aussi vous en créer quelques-uns. Vraiment? Votre client, le dénommé Kuno, il est complètement givré. Il s'est comporté d'une façon absolument démente. Il m'a demandé combien j'accepterais de le payer s'il me débarrassait de Regelski. Et en dehors de cette proposition, il ne vous aurait pas parlé d'une autre affaire? Il ne vous a pas parlé de jeux de hasard? De nains jaunes ou de trucs comme ça? Non, pas que je me souvienne. Sérieusement, monsieur Bremer, si vous n'avez strictement rien à cacher, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que monsieur Kuno était venu vous voir? Parce que je n'ai aucune envie qu'on puisse faire un rapprochement entre moi et ce taré. Regelski était mon ex-associé. Colporter des ragots, ce n'est pas bon pour les affaires. Bien sûr. Est-ce que, mis à part l'incident qui a eu lieu dans votre bureau, vous avez eu d'autres contacts avec mon client? Non. Une seule fois, c'était déjà trop. Bien, je vous remercie de votre très précieuse collaboration. Mais il y en a de quoi? Vous avez vraiment proposé à Bremer de le débarrasser de Regelski? Non. Vous pensez bien que je ne l'ai pas dit sérieusement. Ah bon? Et même en plaisantant, vous avez proposé à d'autres personnes de jouer les tueurs à gages? Non. Je vous assure que ça me rassure, monsieur Kuhn. Que lui vouliez-vous à Bremer? Eh bien, je savais qu'il avait été ruiné par Regelski et j'ai pensé qu'il pourrait m'aider à trouver un financement pour mon projet de bateau casino. Ça pourrait rapporter combien, ce genre d'affaires? Or, avec un emplacement comme ça, 100 000 ou même 150 000 par soirée. Et il n'y a que vous qui ayez une concession pour une maison de jeu en pleine ville? Oui. Pourquoi? Ce que vous pouvez être naïf. Ce que vous possédez là, c'est une mine d'or. Vous n'en avez jamais parlé à Bremer? Non. Je me demande si Bremer n'a pas fait en sorte de vous tendre un piège parce que cette concession l'intéresse. Eh oui, vous vous retrouvez en prison, la concession est attribuée à quelqu'un d'autre, vous devinez à qui? Mais personne n'était au courant de mes projets. Ah, bien sûr, à part Regelski. C'est peut-être pas un lièvre, mais c'est pas non plus une tortue. Ah, vous voyez, il est complètement immobile. Mais c'est pas une raison pour l'empoisonner, le pauvre. Monsieur Matula, mon ami est vétérinaire et c'est lui qui a recommandé de lui donner cette boisson. Après tout, si vous avez de l'argent à gâcher... Les chiens aussi ont besoin de sels minéraux et de vitamines. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, on est en train d'empoisonner le chien. Tu viens? Ouais. Oumba! Oumba! Eh bien, vous voyez, il se porte très bien. Allez, viens. Dis donc, toi, tu m'as l'air stressé. T'as une petite mine? T'es de mauvaise humeur? Ce Kuno, il me désespère, il m'exaspère. S'il continue comme ça, je vais plaider de façon à ce qu'il prenne 20 ans. On peut dire que c'est un vénard, ton client. Il tombe entre les mains de Regelski et ensuite entre les tiennes. Ha, ha, ha. Dis-moi, est-ce que tu crois que ton ami Oshek pourrait s'intéresser au jeu de hasard? Je crois Oshek capable de tout à partir du moment où c'est rentable. Eh bien, cette concession de bateau casino l'aurait été largement. Tu crois que Oshek aurait voulu se faire attribuer la concession et pour plus de sortie aurait envoyé ton client en prison? La concession, une fois libre, il pouvait sauter dessus. Ainsi que sur la veuve. Ils s'ennuient pas tous les deux, fais-moi confiance. Tiens non. Ça lui aurait donc permis de faire d'une pierre deux coups. Et le dénommé Bremer? Il est trop malin, une véritable anguille. Il est surtout très antipathique. Oui? Oui, passez-le-moi. Maître Franck à l'appareil. Oui, je viens immédiatement, à tout de suite. Ah, j'en étais presque sûr. Encore de mauvaises nouvelles de ton client préféré? Gunther Bremer souhaite soulager sa conscience. En tant que citoyen respectable, il ne veut rien cacher à la police. Alors, on va là-bas. Oui, on va là-bas.
Bonjour. Bonjour. Eh bien, messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle audition. Oui, venons-en au fait, s'il vous plaît. Ne soyez pas impatient, maître Franck. Monsieur Bremer, voulez-vous répéter la déclaration que vous avez fait inscrire au procès-verbal? 3 jours avant le meurtre de Regelski, ce monsieur est venu à mon bureau. Il m'a demandé de m'associer à lui dans la lutte qu'il menait contre Regelski. J'ai refusé, il est devenu menaçant, agressif, et il a fini par me proposer de tuer personnellement Regelski. Je ne peux pas le laisser dire ça. C'est bon, monsieur Kuhne, c'est bon. Où est-ce que vous voulez en venir? Mon client ne nie pas avoir prononcé ces paroles en présence de monsieur Bremer. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. La suggestion faite par mon client n'était rien d'autre que ce qu'on pourrait appeler un malheureux écart de langage. Entre nous, combien de fois vous est-il arrivé de menacer de tuer quelqu'un? Fort heureusement, je n'ai jamais mis mes menaces à exécution. Ce qui est également le cas de mon client. Est-ce que vous savez que votre client a reçu la veille du meurtre un courrier en provenance de Francfort qui l'avertissait que la concession qui lui avait été attribuée lui était définitivement retirée? Alors? Et vous savez à qui cette concession était attribuée? À Herbert Regelski. Est-il nécessaire que je vous dise ce que cela signifie, maître Franck? Ça n'avait aucune importance. Étant donné que mon client avait été ruiné, il n'avait plus les fonds nécessaires et cette concession n'avait plus d'intérêt. Allons donc. Non seulement Regelski l'a ruiné financièrement, mais en plus, il lui enlevait tout espoir de refaire surface un jour. J'aimerais dire quelques mots à mon client, mais ça la seule. S'il se décide à passer enfin à des aveux complets, n'hésitez pas à m'appeler. Venez, je vous en prie. C'est insensé. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que la concession vous avait été retirée? Pourquoi m'avoir menti? Est-ce que oui ou non, vous avez assassiné Regelski parce qu'il vous avait pris la concession? Monsieur Kuhne, enfin, bon sang! Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à m'appeler. Message. Pas pour moi, non. Mais là, oui. N'hésitez pas à mettre 8 double doses. C'est que tu mériterais bien que je te casse la gueule, Mathula. Excuse-moi pour ma petite indiscrétion, mais toi-même, tu ne m'aurais jamais rien dit. Je te répète que ce ne sont pas tes oignons. Tu me tapes sur les nerfs. Uniquement parce que j'ai découvert ton petit secret. Comment ça, mon petit secret? N'importe quoi. Où est le mal? Exact. Mais Eric, Dorothée a énormément souffert pendant toutes ces années de mariage. Son mari était une véritable ordure, un fumier. Je veux dire que s'il se comportait aussi mal avec sa femme qu'avec ses partenaires commerciaux... Oh oui, il lui a bloqué son compte en banque. Ah. Alors elle a vendu une montre en or qu'il tenait de sa famille. Cette femme a de la classe. Tellement de classe que t'as décidé de lui procurer un faux alibi. Tu comprends pas du tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se joue? Un très sale petit jeu, Mathula. Un petit jeu absolument dégueulasse. Mais alors, pourquoi tu joues? Parce que ça m'amuse plus de regarder par les trous de serrure ce qui se passe chez les autres. J'en ai marre de m'occuper des autres, Mathula. Je suis pas comme toi. J'ai envie de vivre pour moi. Et j'y suis pour rien, moi. C'est parce que tu supportes pas l'alcool. Il y a de la lumière ici? Oui. Ah, voilà. J'ai même pas vu ce soir, c'est toi. Allez, couche-toi et essaie de dormir un bon coup, Clémence. Oh, ouais. Thank you.
Clemens, tu joues double jeu. Cette fois-ci, tu n'y couperas pas. Je vais te casser la gueule, espèce de sale fouilleur de poubelle. Écoute, je vais te préparer un café bien fort, et ensuite tu vas m'expliquer pour quelle raison tu émarges sur les feuilles de paix de Bremer. Bonjour, monsieur Kuhneux. Bonjour, maître Franck. Il n'est pas dans mes habitudes de dire certaines vérités aux gens que je défends, mais vous, vous êtes un imbécile. Oui, oui, je sais. Si j'avais pu prévoir que quelqu'un allait assassiner Rigelski, j'aurais évité certaines maladresses. Oh, ne me dites pas ça. Après le cambriolage, vous en avez commis de nombreuses autres. Vous êtes venu ici uniquement pour me traiter d'imbécile. Bon, très bien. Ne vous gênez pas. Je suis peut-être un imbécile, mais je ne suis pas un assassin. Et vous qui êtes mon avocat... Monsieur Kuhneux, je me suis renseigné auprès du service compétent. Vous savez à qui la ville a attribué la concession à la suite de la mort de Rigelski? Ça m'est tout à fait égal. Je vais vous le dire quand même. La concession est depuis cette date au nom de M. Bremer. Je vous suggère de réfléchir. Vous finirez peut-être par comprendre ce qui s'est passé. Au revoir. Bonjour, Helga. Bonjour. Oh, c'est fou ce qu'il a l'air vif. On peut dire que votre régime lui a réussi. Vous pouvez vous moquer tant qu'il vous plaira, monsieur Matula. Il n'empêche qu'il a déjà perdu un bon kilo. Vous l'avez essayé sur lui? Non, pas encore. Bonjour. Bonjour. Devine qui a demandé à me voir à midi. Elle est blonde, intelligente, éblouissante, et cette femme s'appelle... Cette femme s'appelle Günther. Günther Bremer. Tiens, voyez-vous ça, Bremer. Bremer, il y a 4 mois, a infiltré une taupe pour le renseigner sur Rigelski. À toi de deviner qui. Hochek. Exact. T'es bien informé. Bremer sait donc depuis 4 mois quelles affaires Rigelski avait en projet et qui il avait l'intention de ruiner. Il était donc au courant des malheurs accablant mon client. Ainsi que de sa mine d'or attendant sur le Main. Et de sa concession. Qui lui appartient maintenant. Quelle histoire. Ton client se fait escroquer par Rigelski parce qu'il a eu une idée qui lui permettrait de gagner beaucoup d'argent. Rigelski parvient à lui piquer cette concession et Bremer arrive là-dessus et joue le troisième larron. Et Hochek se charge de faire le gros œuvre. Il tue Rigelski et s'arrange pour que les soupçons tombent sur Kuhneux. Ça paraît logique. Mais j'ai du mal à croire que mon vieux copain Hochek en soit arrivé à ce point-là. À moins que... À moins que quoi? Qu'il y ait une grosse somme à la clé. Peut-être que Bremer lui a proposé une participation dans son affaire. Oui, mais Hochek avait un alibi. Pourquoi Mme Rigelski le protégerait? Aucune idée. Il faut vérifier à nouveau l'alibi de Hochek. Pas la peine, la police l'a déjà vérifié. Il est possible qu'ils n'aient pas fait leur travail sérieusement. Donc, si c'est nécessaire, discute avec chacun des invités de cette soirée et cuisine comme il faut le maître de maison. Yes. Un certain monsieur Matula. Il prétend que c'est urgent. C'est bon, laissez-le. Bien, monsieur. Eh oui, quand on n'est pas beau, autant essayer d'être en bonne condition physique. Exact. Et vous semblez l'être. Est-ce que vous venez me proposer une affaire mirobolante? Je suis détective privé. Un fouineur, autrement dit. Il y a 4 jours, vous avez organisé une grande soirée. Si vous voulez poser des questions à mon mari, le plus simple est encore de prendre rendez-vous. Mon petit escargot, les détectives privés ne prennent jamais de rendez-vous. N'est-ce pas, monsieur Matula? En tout cas, jamais les bons. Je déteste me faire reluquer par des gens que je ne connais pas quand je suis dans ma piscine. Ben, allez, ferme-la. Mon petit escargot, n'oublie pas que c'est moi qui fais tout ici. Alors, monsieur Matula, que me voulez-vous? Vous devez certainement vous rappeler encore aujourd'hui si Dorothea Rigelski et Clemens Hochek sont restés ensemble toute la soirée. Pourquoi cette question? Nous avons déjà fait une déclaration à la police.
Toi, tu as déposé auprès des flics. Moi, que ce soit des flics ou des fonctionnaires, je ne leur adresse pas la parole. Je suis d'autant plus de votre avis que le policier est naturellement l'ennemi du détective privé. Je vois que nous nous comprenons. Vous voulez dire des renseignements sur ce tombeur? Vous voulez dire Hochek? Hochek ou Pochek? Dis-moi, c'est bien lui qui a flirté pendant toute la soirée avec cette minette hystérique, mon petit escargot. Tu te souviens si c'était lui? Non, je n'espionne pas les gens que j'invite, moi. Mais moi non plus, mais je n'ai pas non plus mes yeux dans ma poche. Cette fille, c'était une professionnelle et c'est pas moi qui l'avais invitée. Alors qui est-ce? Aucune idée. Vous savez, il y avait au moins 200 personnes. Du champagne et des petits fours à gogo. Eh bien, je vous félicite. Cette call girl... Oui, c'est un de mes anciens correspondants qui avait eu recours à ses services il y a de cela quelques mois. Et vous savez comment elle s'appelle? Jeannette ou Jeannine ou encore... Jacqueline. Je ne sais plus. En tout cas, le dénommé Hochek s'est éclipsé avec elle un bon moment. Pendant combien de temps? Oh, une heure environ, ça j'en suis certain. Parce que cette Jacqueline, avec son petit bolide rouge, empêchait l'un de mes invités de sortir sa voiture du parking. Et vous n'auriez pas gardé des souvenirs de cette soirée, des photos de vos invités ou... Des photos? Mais voyons, plus personne de nos jours ne prend de photos. La vidéo! La vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux, et de loin. Bien entendu, j'ai filmé tous ces gens en vidéo. Vous voulez y jeter un coup d'œil? Plaisir. Oui, Mathula, vous pouvez regarder et admirer. Tout est de l'ivoire véritable. Et en plus, j'ai tout tiré moi-même. Les deux énormes défenses, c'est moi aussi. Et le tigre aussi, oui. Je sais que tout ça est un petit peu illégal, mais c'est une sensation tellement exaltante. L'homme contre l'éléphant. Oui, aux alentours de midi, en plein milieu de la savane. Bon, il faut bien se faire des petits plaisirs, hein. Ah, je comprends ça. Regarde ça de plus près. Ça, c'est ma vidéothèque. P.P. Parti chez Preut. Allez, avale-moi ça, toi. Et voilà. Ah oui. Mais vous remarquerez qu'on ne me voit jamais sur le film, c'est parce que c'est moi qui tiens la caméra. Et j'avais coupé le son par discrétion vis-à-vis de mes invités. Pas mal pour un amateur, vous trouvez pas? Ah oui. Voilà la séquence qui vous intéresse. Ça, c'est l'ancien correspondant dont je vous ai parlé, et là, c'est cette Jeannette, ou Jacqueline, je ne sais plus son nom. Mmh. Elle est entraîneuse au Ladies Club. Enfin, c'est ça qu'un ami m'a dit. Est-ce que vous pourriez me la prêter quelques jours, cette cassette? J'aimerais bien faire une copie de cette femme. Oui, bien entendu. Tenez. Je vous la prête, mais attention, elle s'appelle Revient. Pas de problème, faites-moi confiance. J'ai été tout à fait ravi de faire votre connaissance. Plus tard. Ah, mon petit escargot. Mon petit escargot. Je la connais bien, hein. Elle est têtue comme personne, mais si quelqu'un me veut du mal, elle le sent tout de suite. Dorothea, c'est moi. Elena. Je ne sais pas si ça t'intéresse ou non. Mais un détective privé sort d'ici. Mathula, un nom comme ça. Ce type a fait fortune en vendant rien que des chaussettes. Tu sais, le genre de chaussettes qu'on achète à la douzaine la plupart du temps dans les grandes surfaces. Chaussettes pour sportifs, chaussettes pour messieurs chics, chaussettes pour femmes élégantes. Et maintenant, il a un golf dans son jardin qui est plus grand que le parc de Grunenburg. Je t'avoue que ça m'épate. Personnellement, j'arrive pas à comprendre comment on peut gagner tant de fric avec des chaussettes. Je t'offrirai des aiguilles à tricoter pour ton anniversaire. Comme ça, tu auras ton terrain de golf. Mais à condition d'être malhonnête quelque part. Oh, sûrement. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait, Bremer? Il désire, soi-disant, proposer une affaire à Kuhne. Ah, l'attribution de la concession lui ferait peur. C'est ce que je pense. Hochek a flirté toute la soirée avec cette femme au charme indiscutable. Elle s'appelle Jeannette, ou un nom dans le genre. Je croyais que lui et Madame Rigelski... Oh, et encore mieux. Hochek et cette femme se sont éclipsés de la soirée pendant plus d'une heure. Est-ce que tu crois qu'elle serait sa complice? Aucune idée. Mais Hochek a toujours eu un faible pour les dames de petite vertu. Et s'il était allé chez Rigelski parce que Bremer lui aurait dit de le faire? Non, c'est idiot, on n'emmène pas une prostituée quand on va assassiner quelqu'un. Non, ce serait pas logique. Qu'est-ce qui est logique de nos jours? Le mieux serait que je demande à cette Jeannette. Ça, c'est une excellente idée. Et on fait quoi pour la veuve? Je te laisse t'en occuper. C'est bizarre, mais elle m'aime pas beaucoup. Non, comment ça se fait?
Bonjour, Madame Regelski. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je suis très pressée. Quelques questions à vous poser. Je vous promets de faire vite. Au cours de cette soirée, le jour même de l'assassinat de votre mari, Monsieur Hochek ne vous a pas quitté un instant? J'ai dit à la police lorsqu'elle m'a interrogée. Vous êtes sûr de ne pas avoir perdu de vue Monsieur Hochek de toute la soirée? Écoutez, Maître Franck, vous savez comment ça se passe d'habitude. Dans ce genre de soirée, on ne passe pas tout son temps à crocher l'un à l'autre. Est-il envisageable que Monsieur Hochek ait pu s'éclipser pendant une heure entière ou même une demi-heure? Je ne comprends pas cette question. Oh, si, c'est très clair. Oh, disons qu'il a un peu flirté à un moment. Et vous n'avez pas été agacée? J'aurais dû. Eh bien, deux jours plus tard, les relations entre vous et Monsieur Hochek étaient devenues beaucoup plus intimes que je sache. Il s'est passé tant de choses pendant ces deux jours. J'ai commencé par perdre mon mari. Cette femme avec qui il a flirté, est-ce que vous en avez parlé plus tard avec Monsieur Hochek? Non. Alors dites-moi pendant combien de temps il s'est éclipsé? Peut-être pendant une heure, ou un peu moins que ça. Oui, il a bien dû s'absenter une heure. À minuit, nous avons fêté l'anniversaire de mon amie Elena Preut, et il était de retour. Madame Regelski, en me faisant cet aveu, vous détruisez la libye de votre amant, et vous mettez votre vie en danger. Au revoir. Vous asseoir à une table ou plutôt au bar? J'ai pas encore décidé. Je cherche Jacqueline. Elle travaille bien ici, non? Vous voulez dire Jeannette? Non, que je suis bête. Est-ce que je peux la voir? Ne bougez pas, je reviens. Parfait. La patronne vous attend. Oh, la patronne? Oui. Par ici. Bonsoir, madame. Eh bien, je suis désolée, mais Jeannette ne travaille pas ce soir. Monsieur... Schneider, de Schneider et fils. C'est un ami qui m'a recommandé Jeannette. Vous n'êtes pas un homme d'affaires, je sais reconnaître mes clients. Je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai peut-être pas l'air d'être un homme d'affaires, très chère petite madame. Mais si vous ne vous montrez pas coopérative, j'achète votre baraque dans les heures qui suivent. Inutile de le prendre sur ce ton. J'ai commencé en vendant des petits rouleaux compresseurs. Et maintenant, je fabrique d'énormes rouleaux compresseurs. Autrement dit, ce que je veux, je l'obtiens toujours. Excusez-moi un instant, voulez-vous? Mais je vous en prie. Vous avez de superbes œuvres d'art ici. Malheureusement, tout ça ne m'intéresse plus. On veut plus, c'est la vie. Au revoir.
Oh, Sheik. Ça, pour une coïncidence, t'es venu rendre visite à ton petit flirt. Elle est morte, Mathula. Hein? Elle est morte. Allons voir ça. Allez, viens! Voulu te débarrasser d'un témoin gênant, c'est ça? Ce n'est pas moi qui l'ai tué, Mathula. Moi, je voulais la protéger. Où est ton revolver? Dorothée me l'a volé. Je te jure, Mathula. Dorothée a voulu me piéger. Bien sûr. Elle a tout fait pour m'attirer dans son lit cet après-midi. Et elle en a profité pour me piquer mon revolver. C'est ça. Tout ce qu'elle voulait, c'était me coller ce meurtre sur le dos. La fille a certainement été tuée par Dorothée avec mon revolver. Arrêtez ça là, Doshek. La petite te faisait chanter. Non, on se connaissait pratiquement pas. Elle m'a allumé pendant cette soirée, c'est vrai. Mais j'ai vu tout de suite que c'était une professionnelle. Dans le temps, ça n'était pas pour te déplaire. Ça va, mais pendant la soirée, elle m'a dit que c'était Dorothée qui l'avait engagée. Pendant que je flirtais avec la petite, sans me douter de rien, Dorothée est allée au bureau de son mari. Elle l'a assassinée. Elle a déposé le trousseau de clés pour Kuhn. Et la petite était au courant du complot? Elle n'en savait rien. Mais Dorothée a dû avoir peur qu'à un moment ou à un autre, elle vende la mèche. D'autant que toi, tu faisais chanter la veuve. J'avais promis de ne jamais rien dire. Ce qui ne t'empêchait pas de te la faire et de loucher sur son fric. J'aurais jamais imaginé ça. Et maintenant que tu te sens coincé, tu commences à paniquer. Dorothée va sûrement aller raconter que c'est moi qui ai tué son mari sur les ordres de Bremer. Et que j'ai tué la petite parce qu'elle avait tout compris. Si on ne l'empêche pas. Dorothée va aller trouver la police et va leur faire son numéro. Bon, si toi tu n'empêches pas, Oshek, c'est toi qui as le couteau sous la gorge, pas moi. Alors qu'est-ce que je dois faire? À tout hasard, passez par le service. Bonsoir. Je peux savoir ce que tout ça veut dire? Nous avons surpris votre ami alors qu'il sortait de chez Jeannette, laquelle vient d'être tuée, mais n'avait pas d'arme. Et qui est cette Jeannette? Tu le sais très bien, espèce d'ordure. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Si cette prostituée a effectivement été tuée avec le revolver de Monsieur Hachek et que nous retrouvons ce revolver dans votre maison... Ça voudra dire que c'est toi qui as tué la petite. Nous souhaiterions voir la chambre de service où dormait Monsieur Hachek. Non, et je vous prie de sortir de chez moi. Je vais y aller. Oshek, reste ici. Sinon, tu t'accuses. Allez, viens. Viens. Allez. Enfin, vous êtes complètement fou. Nous emmenons Monsieur Oshek au commissariat. Je peux vous assurer que la police n'hésitera pas à mettre cette maison sans dessus dessous dès ce soir. À tout à l'heure. Il est tard pour aller se promener. Laissez-moi passer, je vous prie. Où est-ce que tu vas avec mon revolver? Tu m'as trahi, espèce de fumier. C'est toi. Toi. C'est toi qui m'as doublé. Madame Regelski, lâchez cette arme immédiatement. Vous avez déjà deux meurtres sur la conscience. Ça m'est complètement égal, ne bougez pas. Allez, n'hésite pas, tire. Descends-moi.
dites, Madame Regelski, je vous en prie. Ne bougez pas ou je la bats comme un chien. Eh bien, vas-y, tire. Rien ne t'arrête d'habitude dans le théâtre. Un chèque. Tu n'es qu'une traînée doublée d'une folle. Mon mari était un monstre qui n'avait aucun scrupule. Vous voulez savoir ce que j'étais à ses yeux? Pour lui, j'étais une simple domestique parce que je ne lui rapportais rien. Vous voulez dire qu'il souhaitait se débarrasser de vous? Il voulait me larguer tout simplement. Et quand je pense que j'ai été assez sotte pour signer son contrat de mariage, je me serais retrouvée sans rien, sans rien! Travailler, ça ne vous est pas venu à l'idée? Comme serveuse, peut-être? Mais avec ça, je n'aurais même pas de quoi payer ma pédicure. Herbert trouvait ça très drôle. Il a beaucoup ri en imaginant ce qui pouvait m'arriver. Cet homme était une ordure. Il a mérité ce qui lui est arrivé. Il l'a vraiment mérité. Et Jeannette, la prostituée, elle aussi l'a mérité? Elle, c'est vous qui l'avez sur la conscience. Si vous n'aviez pas fouiné partout. Et mon client aurait passé 15 années de sa vie en prison alors qu'il est innocent. Alors, vous l'avez vraiment vendu à Bremer? Bonjour, monsieur Kuhn. Bonjour. Oui, il m'en a offert un assez bon prix. Il lui manque une petite couche de peinture. Très drôle. Peut-être que Bremer avait mauvaise conscience. En tout cas, il m'a proposé un poste de directeur administratif. Très bien, très bien. Et vous allez accepter? J'hésite encore. Il faut voir.